Quand j'étais tout petit garçon, j'avais des yeux plus grands. Je savais bien qu'au fond des choses, il y avait tout plein de gens. Un jour, j'ai vu dans une cage un peu de vérité. J'ai pris ma plume et puis du papier, je me suis mis à dessiner. Des chapeaux, des petits et des gros. Des chapeaux, qui n'étaient pas très beaux. Tous ceux à qui je les montrais disaient, oh, c'est bien beau. Mais pourquoi fais-tu des chapeaux? Dessine dans les belles autos, c'est bien plus beau. Ah oui? Que tes chapeaux. Qui est-ce que dit ça? Des belles autos, oh? Dessine dans des autos. Ok. Pop. Il n'avait pas compris, je crois. J'étais vraiment déçu. J'avais dessiné des bois, mais personne ne l'a vu. Ah non? Non. À force de tout expliquer, ben j'ai dû abandonner. Je comprends. Les grands, ils sont presque tous ainsi. Quand ça va pas, ils nous disent c'est la vie. Fais dans d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis dans d'autres choses. Qu'est-ce que je vais dire? Chante dans d'autres choses. Pourquoi pas? Touche pas ça. Moi, je vais toucher. Regarde pas ça. Moi, je vais la regarder. Touche pas ça. Je vais l'écouter. C'est dangereux. Mais non. Mais aujourd'hui, je connais la vie. Et puis, je connais les grands. Moi aussi. Et quand ils me disent il faut réussir, je dis c'est sûr, évidemment. Mais ouais. Mais quand on me montre le ciel et que l'on s'émerveille, là j'ai qu'enfin on peut parler, crier, rire et chanter. Des chapeaux, des petits et des gros. Des chapeaux, qui sont toujours pas beaux. Non? Mais j'ai enfin compris pourquoi quand on est grand, on ne sait pas. C'est parce qu'on a des yeux, mais on ne voit plus ce qui se passe autour de soi. Mais les chapeaux, le petit et les gros, qui sont pas des chapeaux. On peut parler toute notre vie, avoir de gros diplômes plein les bras. Ouais, mais aura-t-on vraiment compris que c'est ce qu'il y a dedans qui est important? C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Oui, vraiment, c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Pas de chapeau.